Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas mal. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo sur un nouveau jeu que j'ai acheté il y a peu de temps sur PlayStation. Tout le monde connaît la saga Dragon Ball. Donc voilà, j'ai acheté le dernier qui est sorti, Dragon Ball Z Kakarot. Donc il a l'air d'être pas mal, qui allie en fin de compte combat et puis en même temps on peut revivre la saga Dragon Ball de Piccolo à quasiment Boubou. Donc voilà, on va faire des petites parties à fur et à mesure et puis montrer ce que ça vaut. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bon, alors voilà, c'est parti, on va commencer ce nouveau jeu. Nouvelle partie, allez hop. Et c'est parti, on va voir ce que ça vaut, hein. Alors, il existe dans ce monde cette boule de mystique appelée Dragon Ball, quiconque les rassemble, tout voit son vœu le plus cher exaucé, cette histoire étrange tourne autour des Dragon Ball. Bon. Alors, voyons voir déjà les commandes, qu'est-ce qu'ils disent? L2, là, c'est la garde. L2 carré, explosion. Le L bouger. Le LR2, déplacement au bas. Accélérer L3. Ah oui, c'est celui-là, L3. Ah, charger le ki, triangle. Attaque, le carré. Attaque corps à corps, le rond. Téléportation. Et annuler, hein, pause. Ok, bon, ça joue. Alors, commande de combat. Voyons voir ça. L1, palette d'attaque spéciale. L2 plus X, attaque téléportée. Bon, ok. Ça, c'est ok. Maintenir palette d'objets. Bon, on verra bien. R1, maintenir palette de soutien. Bon. L2, R2, maintenir palette de transformation. Change aussi. Bon, vu que si on commence, on verra bien ce que ça vaut. Alors, si on fait L2, ok, c'est ça. Oh, intéressant. Oh. C'est intéressant. Alors, frappe corporelle. Ah, ça c'est l'explosion. Ok. Ah, ça c'est téléportation sur le côté. D'accord. Ah.
Ah, L2 c'est la garde, d'accord. Alors oui, on voit objet. On n'a rien. C'est intéressant, en tout cas ça rappelle pas mal de trucs. Bon, une tacticienne c'est pas évident. Je vais essayer de comprendre, mais c'est pas évident. Hein. Ah, je pense que la longue ça va y aller, mais va falloir vraiment s'habituer. C'est pas mal, mais par contre, maintien. Je me fais décalquer la tronche. Là. Ah non, ça va. Ah, je suis KO, non? J'essaye, mais c'est pas évident. Hein. Ah, ok. Surcharge, attends. Ta jauge de tension se remplit à mesure que tu subis et inflige des dégâts lorsque ta jauge de tension et de ton ki sont remplies. Maintiens triangle pour l'activer. L'effet surcharge pendant la durée de cette attaque. Tes stats sont temporairement améliorés et tu pourras exécuter des attaques uniques et annuler les attaques spéciales et combos pour d'autres actions. Ainsi que pour poursuivre automatiquement les adversaires repoussés, l'effet de surcharge t'offre la liberté d'enchaîner des attaques que tu pourrais pas lancer à la suite normalement, mais aussi faire des choses comme lancer plusieurs Kamehameha d'affilée. Bon, voyons voir. Alors, déjà, on se prend garde. Ah, là, j'ai chargé beaucoup. J'essaie de comprendre, mais c'est quand même pas évident. Je pense vraiment. Parfois, je prends le mauvais bouton en fait pour. Le X, ça téléporte. Ça accélère, ça téléporte. Ok. L2, c'est bien la garde. Ça, c'est sûr. Par contre, c'est comment L2 est carré, c'est l'explosion. Ah. Ok. Ah, L2, ça j'ai compris. Un certain truc, j'ai compris. Alors, on commence. Alors, si on. C'est pas évident, hein. Ah,
là. Ah, je l'ai eu, mais c'était vraiment chaud, hein, parce que c'est pas évident du tout. Hein. C'est la première vue, Kamehameha, j'ai pas réussi à faire, j'ai pas compris. Bon, à première vue, on doit arrêter l'invasion Saiyan, donc c'est déjà pas mal. Alors, rappel de l'histoire. Le petit Sengoku a vaincu le roi des démons Piccolo, qui avait pour ambition de dominer le monde. 5 ans ont passé depuis cette victoire. Ok, bon, bah, pour l'instant, ça charge, hein, donc on verra bien. Alors, nous savons que L2, nous bloquons. Carré, on attaque. X, à première vue, sur les côtés, on peut se téléporter plus rapide. Mais pour l'instant, c'est pas encore... gagner, c'est pas au mieux. Je pense qu'à la longue ça ira un poil mieux. Ah, petite cinématique, Vegeta qui arrive. Ah non, Raditz, désolé. Kono hoshi mo ato sukoshi de seme otose sou da na. Raditz. 貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。また<笑>しくじった時は覚悟しておくんだな。そうだ思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。 貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。ああ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。 お父さん、そろそろ家へ帰らないと。母さんに怒られちゃうよ。悪いなごは。ちょっと頭の中で強いやつと戦ってたよ。強いやつ？あ、ピッコロっちゅう強いやつさ。ピッコロさん。ずっと目はピッコロ大魔王っちゅう、むっちゃくちゃ悪いやつだったけど、生まれ変わったピッコロは。 俺の知ってる中でもワクワクすることが一番強いやつだった。もっと強くなってあいつとまた戦えてってな。僕戦うなんて怖いよ。<笑>おめえも修行すりゃすぐに強くなれっぞ。でもお母さんに怒られちゃうよ。あー、いっけねえ。そういや食い物の材料集めてこいって 父に頼まれてんだった。
Bon, alors, commande de terrain, commande de base. Donc, ce qui est quand même sympa, c'est qu'à première vue, on a du combat et en même temps, on a des petites quêtes à faire en même temps. Bon, point de vue combat, pour l'instant, je suis un peu pourrave parce que j'ai eu Piccolo vraiment de bol. Donc, on verra bien. Alors, là, on a quoi? Du Kikoa, c'est L2 et carré. Kikoa chargé, L2 carré, ok. Recherche de ki, L1 maintenir. Bouger, bon, L. Forte accélération, L3. Vol accéléré, triangle. Examiner, parler, le rond. Le saut, le X. Bon, ok, bon, on verra bien. Palette de véhicule, piloter, quitter le véhicule. Bon, ok, il n'y a rien de bien sorcier. Par contre, il faut qu'on trouve à première vue des carottes. Pas des carottes, des pommes et du poisson à première vue. Alors, objet sur le terrain. Tu peux trouver divers objets sur le terrain. Approche-toi simplement d'un objet pour le récupérer automatique. Tu devras cependant appuyer sur rond pour collecter un objet important. Pense bien à récupérer les aliments puisque tu peux les manger pour améliorer les stats ou les cuisiner dans des repas pour des effets de soutien. Ces effets pourront t'aider si tu te retrouves face à un adversaire coriace, alors pense à te nourrir régulièrement. Bon, bah, on va voir. Hein. Récupère quelques pommes. Ok, alors on a déjà ceci. On a le seau. Ah, qu'est-ce que j'ai récupéré? Ah, je crois. Ah, ok, c'est les pommes, c'est ça. C'est les petits points jaunes. Alors après, j'ai vu un truc, c'est marqué changer de carte. Voyons voir. Ah, ok, carte de zone. Voyons voir. On a notre position qui est là. Ici, ça va être chez nous, je pense. Ok. On va un petit rond pour fermer. Alors, on a déjà des pommes. C'est déjà pas mal. Ah, là, ok. Ah. Alors. Encore une petite pomme. Ah non, crevette de rivière. Ouais, mais je vais juste choper ça. Bon. Intéressant. Alors, forte accélération, L3. Ok. Donc vous appuyez sur le sticker et on a une forte accélération. D'accord. On va avancer, on verra bien par où on va. Hein. En tout cas, c'est sympa, les décors sont sympathiques. Bon, c'est pas de la méga qualité graphique, hein, on dirait, mais c'est déjà pas mal. Moi, j'aime assez. Oh,
Qu'est-ce qu'on a là en haut? Ah, Gohan qui est là, voyons voir. Bon, on va suivre Gohan, hein. Attends, je vais la récupérer, j'ai une chienne de pomme. Au moins la version, la voix en version originale est sympa. Oh là. Il y a plein d'autres petits points là-bas, donc je pense que c'est par là qu'il faudra qu'on aille. Bon, alors j'ai eu déjà des pommes, c'est déjà pas mal. Bon, on va aller pêcher, donc ça peut être intéressant. Alors... faut aller pêcher. Bon, faut qu'on attende Gohan en fait, parce que sinon il se met à chialer. Alors c'est marqué un petit peu plus haut là, garde son Gohan près de toi et va au coin de pêche. C'est peut-être ça, on voit un grand truc lumineux, c'est peut-être ça. Bon, alors on va regarder comment pêcher ça. Bah, on va tester, on va voir, hein. Ça peut être sympa. Hein. Ah, ça, je vais demander. Bon, alors on va tester. Alors, utiliser un appât, pêcher. J'ai pas d'appât, ok. Donc, on va pêcher.
On verra bien ce qu'on arrive à choper. Alors, elle, on remue. Et X. Ok. Et rond. Après, bon, pas trop compliqué à première vue, hein. C'est pas mal. やったね、お父さん。ああ。これならきっと父も喜ぶぞ。食い物の材料集めたら、なんか腹減っちまったな。うん。僕もちょっとお腹空いちゃった。あそこの焚き火で魚焼くか。お魚焼いて食べようよ。 Bon, voyons voir. Alors, manger un repas. Hop. On va faire griller ce petit poisson, comme dans les animés, c'est vraiment excellent en fait. Ils ont quand même bien repris le truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait griller? Alors, faut voir déjà ce qu'on a. Nageoire de poisson géant. Ok, donc c'est durée de l'effet 3 minutes, effet du repas. On va confirmer. Poisson géant maigre, on confirme. Alors, pour se reposer, c'est inutilisable. Donc, si on fait manger en repas, je voulais voir si on voyait le poisson grillé quand même, comme dans le dessin animé, mais... Alors, on a le poisson géant maigre. Là, X. Veux-tu vraiment manger? Ah, voilà, oui. Voilà, ça me rappelle tellement le dessin animé. L'animé, c'est excellent. C'est chouette. Voilà, plus 1 de la défense qui. C'est pas mal déjà. Hop. たくさん食わねえと父ちゃんみてに大きくなれねえぞ。今日は楽しかったね、お父さん。ああ、ご飯も手伝ってくれたしな。今度は釣りも教えてやっから。一緒にやろうな。うん。楽しみにしてるね。 Alors, emblème d'âme. Emblème d'âme sont des objets représentant les relations avec certains personnages. Ok. Tout ça, c'est dans qu'on progresse dans l'histoire. Bien, bien, bien. Un niveau. Ok. Communauté. Ça, il faudra qu'on regarde comme il faut tout ça après. Maîtrise Z.
Bon, bah voilà, première partie faite de Kakarot. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est pas évident, mais ça me plaît quand même pas mal. Donc, on va continuer, puis on verra bien jusqu'où ça nous mène. Allez, c'est parti. À bientôt.